Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ma collection de make-up en détail qui sont sur les rouges à lèvres liquides, Jeffree Star, Huda Beauty et Focalure. Donc, j'ai tellement de rouge à lèvres que je suis obligée de diviser la vidéo en plusieurs parties. Donc, vous allez avoir celle-ci avec les marques que je viens de vous citer parce que c'est là où j'en ai le plus. Et ensuite, avec les autres marques, et on fera les rouges à lèvres bâton après. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai le plus dans ma collection. C'est pas bien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on va attaquer tout de suite. Je vais préparer mes lingettes parce que comme ça, je fais les swatchs par marque. On sera tranquille. Alors, on va commencer avec les Melted de Too Faced. Donc, tous mes Jeffree Star, j'en ai paumé un. Hein. Ouais, j'ai réussi à paumer un rouge à lèvres. Je sais pas du tout où il est. Mais voilà. Ici, on a tous mes Jeffree Star et mes Melted. Les Huda et Focalure sont rangés dans un autre rangement. Donc, je les ai juste sortis comme ça. Donc là, on va commencer par les Melted. Parce que c'est un comme ça que je porte. Et j'en ai 9. Donc celui que je porte, c'est un que j'ai racheté à Amy. C'est un mini format et c'est le Sell Out. Donc là, je ne vous le swatche pas puisque vous le voyez sur mes lèvres. Je ne l'avais pas encore utilisé, donc je suis bien contente de l'avoir utilisé. J'ai les 4 mini, c'était une collection de Noël. C'est Maryse qui me les avait envoyés et c'est comme ça que j'ai découvert les Melted. Et ça a été une vraie révélation puisque là, je vous présente, hormis les Kylie, mais j'en ai que 2. Donc, ils seront dans la prochaine vidéo. C'est les rouges à lèvres qui tiennent le mieux sur moi. Voilà, que je préfère. Liquide. Hein. Bah, de toute façon, bâton, je ne suis pas fan. Mais voilà, donc j'ai les 4 mini comme ça. Alors, on a d'abord le plus nude qui est le Sugar Cookie. Je l'aime beaucoup. J'ai hésité avec celui-là, mais je voulais tester celui que j'ai actuellement. Alors, je vais faire les swatches sur mon bras. Et ceux-ci sont parfumés, hein. Ceux qui sont en collection de Noël, comme ça. Enfin, il n'y a pas que Noël, il me semble. Enfin, bref. Les petites collections comme ça, avec les capuchons plus décorés. On a le Hot Toddy. Et je les aime tous, hein. Franchement, je les adore. J'ai fait un swatch comme une gourdinette. On a le Caramel Apple. J'adore les petits dessins qui sont sur les... Là, j'ai mon bracelet qui se met dans le rouge à lèvres. Oh, et puis, il sent tellement bon. Hein. J'adore. Et mon rouge préféré, c'est le Candy Cane. C'est vraiment mon rouge préféré parce qu'il a sous ton froid. Je l'aime trop. Je l'ai presque terminé, d'ailleurs, celui-ci. Je suis dégoûtée. Mais c'est mon rouge préféré. Alors, je ne suis pas fan de rouge... rouge sur sur mes lèvres. Alors celui-ci sent la menthe, la canne à sucre, quoi, le sucre d'orge, mais il est divin, franchement divin. C'est, il n'y a pas photo, c'est celui que je préfère. Ensuite, j'en ai 3 grands aussi, des collections limitées comme ça. Donc j'ai tout d'abord le Cinnamon Beer. Je crois que c'est celui-ci que j'avais racheté à Jessica. Donc là, on est plus sur un rouge sang. Un peu, tirant un peu sur le bordeaux. Vraiment légèrement. On a le Cinnamon Bun. C'est bien ça. C'est un magnifique nude. Vraiment un peu beige comme ça. C'est un des seuls que j'ai dans ces teintes-là. Et j'ai les 2 qui ont été très durs à trouver, que j'ai payé une fortune sur Vinted, mais que je voulais absolument. C'est le Gingerbread Man et le Girl. Voilà, tout simplement. Donc on commence avec le monsieur. Honneur au monsieur pour une fois. Qui est là, un marron un peu rouille comme ça. Oh, mais je les adore, je les aime trop. Je les aime trop. Et le Girl. Voilà. Donc
forcément c'est la même collection, ça, la différence n'est pas énorme, hein, mais vous voyez qu'il y a quand même des sous-tons différents. Quand j'ai fait ça, il faudra que je fasse des plus petits swatchs quand même. Hein. Donc je vais effacer ceux-là et on va passer à une autre marque. Je vais avoir le bras tout rouge. Alors, on va passer au Huda. On finira par les Jeffree Star, hein, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Alors, Huda. Alors, les gloss Huda, enfin, gloss et compagnie, je ferai plus tard. Hein. Donc, j'en ai deux grands formats que j'adore. Il y a d'abord le Vixen. Donc là, j'avais racheté Amy, et c'est comme ça que j'ai découvert. Et le Medusa, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, que c'est mon préféré. Enfin, je les adore tous les deux. Donc là, on est sur un marron chaud. Très beau. Il est magnifique. Et le Medusa que j'aime trop. Celui-ci est un peu moins opaque. Mais il est plus clair. Voilà. C'est un tout violacé comme ça. Magnifique. Alors attendez, parce que j'en ai encore un qui traîne ici. Et j'ai racheté des mini à Amy, mais je crois qu'il y en a un que c'était Manon qui m'avait envoyé une fois dans un swap, donc j'ai 6 mini. J'ai le Miss America. Donc là, on est de nouveau sur un rouge que je n'ai pas encore testé. Ah, bah, il va bien me plaire aussi celui-là. Il ressemble un peu au Melted. Peut-être un peu plus rouge vif, mais c'est pas mal. On a le Boho Peace. Donc j'ai pas encore pu tous les utiliser puisque je les ai rachetés il n'y a pas tellement longtemps. Oh, il est beau celui-là. Je n'ai pas testé encore. Et que j'ai fait une rasière dans les rouges à lèvres de Mimi. On a le On Top. Celui-là, c'était, je l'avais déjà. C'est, celui-là, c'était Manon qui m'avait envoyé dans un swap de placard. Et je l'aime trop. Mmh. On a le Perfectionniste. Celui-là, j'ai déjà utilisé. Je l'aime beaucoup aussi. Donc là, on est plus sur du nude. Hein. Après, j'ai forcément vu la collection de rouge à lèvres. J'ai certainement des doublons. On a le Icône. Sublime. Et on a pour terminer le First Class. C'est pour ça que j'ai gardé mes lunettes. Hein. C'est pour savoir vous lire les teintes. Hein. Je suis trop gentille. Et voilà pour mes rouges à lèvres Huda. Sublime. J'aime trop. Bon, ben vous faites pas attention à l'état de mon bras pour les prochains swatchs. C'est dégueulasse. Alors, on va passer aux Focalure. Et là, j'en ai 8 en liquide, hein, parce que j'ai tous les jumbo encore. Hein. Et voilà. Donc, on va commencer par les trois derniers que j'ai reçus. Vous avez déjà eu le crash test que je vous remets en barre d'infos et dans le petit i. C'est des darks. Ils sont sublimes. Alors, on a d'abord le M Streets. Alors, c'est pas un noir. Hein. C'est un violet très foncé. Mais alors, vraiment très foncé, qui tire vraiment presque sur le noir. On a le Room 237, je crois. Ouais, 237 ou 257. Hein. Un truc hein, là. Donc, ceux-là, c'est la marque qui me les a envoyés. Et je les adore. Je les adore. Et le Iris Skull, qui est mon préféré des trois. Trop beau. C'est un aubergine hyper sombre. J'adore. Alors, on a le Deep Chestnut. Celui-là aussi, très beau. Celui-là, ils sont un peu plus vieux. Hein, et ça
fait très 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 longtemps que je les ai. Il est magnifique. On a le Indian Peach. Donc, qui est comme ceci. Je garde les bras en l'air et ça me fait mal. La fille un peu sadomaso sur les bords. Alors celui-là, on est sur un peu sable comme ça. Il est très original. On a le Dark Coffee. Qui est donc un coffee. Un café au lait. Hein. C'est pas un café noir, c'est un café au lait. On a le Rose Gold. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Rose Gold, parce qu'il est violacé, mais il est divin. C'est encore un taupe violacé, comme ça, très clair, un peu parme. Trop beau. Et pour terminer, on a le Rose Taupe, que j'adore. Ça a été le premier de ma collection, celui-là, dans ces teintes-là, et depuis, j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà pour Focalure. J'adore mes rouges à lèvres. Alors, on va passer au mini Jeffree Star, parce que j'ai eu deux coffrets mini. J'ai eu le vert, donc là, il ne me reste plus que 6. C'était Déjà qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, je crois. Donc on va déjà commencer par ceux-là. J'en ai déjà terminé un et dedans il y avait le Crocodile Tears. Non, c'est le Crocodile Tears que j'ai terminé, je crois. Et il y avait le. C'est lequel que j'ai ici. Le Dirty Money, c'est ça hein? Ouais. Qui était dedans, donc je l'avais donné à Amy. Donc ici on a le Karma, qui est un de mes préférés aussi, qui est un peu kaki. C'est magnifique, pas un peu, il est pas un peu, il est kaki. Alors oui, c'est des teintes qu'il faut oser porter, hein, mais moi, j'adore. Ça ne me dérange absolument pas de porter ça. Le Deep Pocket. Alors celui-là aussi, j'aime beaucoup. Et celui-là, j'arrive au bout aussi. Là, on est sur un kaki un peu plus terre. On a le Bankroll, qui est un métallique. Oh, il y a un poil. Celui-là il a l'air très sec. Après les Jeffree Star, le problème c'est qu'ils tiennent beaucoup moins bien que les autres sur la durée. Oh ça va, ça pique. Mais je peux plus l'utiliser en liner, celui-là. Oui, parce que j'utilise mes rouges à lèvres mat parfois en liner. J'aime beaucoup faire ça. Le Special Order. Oh. Oh. Mais celui-là aussi est très sec. Mais alors, calme. Celui-ci, j'ai même enlevé les sorreurs, je crois. Ouais. Tellement j'arrive au bout. On a le High Society. Donc là, c'est un vert menthe très clair. Que j'ai jamais utilisé, je crois. Ça, sur les lèvres, ça fait un peu spécial quand même. Et le Dit Président. Ouais, donc c'est bien le Crocodile Tears que j'avais terminé et que j'adorais. Bah, la preuve, c'est que je l'ai terminé. On part sur un kaki un peu plus vert. Et celui-ci aussi, j'arrive au bout. Donc vous voyez que je les utilise, hein, mes rouges à lèvres Jeffree Star. Hein. Et ensuite, j'ai eu le coffret de violet de la part de Manon dans le swap. Je vous le remets en barre d'infos et dans le petit aussi. Et là, il n'y en a qu'un qui n'est pas dans... Si, je crois qu'il est quand même dans les rangements. Oui, c'est le Scorpio. Alors, je ne swatch pas parce que je ne l'ai pas ouvert vu que je l'ai déjà en grand format, que j'essaye de terminer d'abord. Alors, mon préféré du kit, c'est celui-ci. C'est le Berry on Ice. Enfin, Berries on Ice. Et celui-là, il faut que je me le trouve en grand format dès que j'aurai terminé. Parce que je l'adore. Alors, attention qu'en petit format, ils sont plus secs que en grand format. Après, c'est des plus petits contenants, donc c'est un peu logique. On a le... I'm Royalty. Celui-là, je sais qu'il existe en grand format. J'avais déjà lorgné dessus. Donc là, on est sur un pur violet. Oui.
On a le Blow Pony. Donc là, on est sur un violet un peu plus pâle. Enfin, pas un peu plus, on est sur un violet pâle. On a le Clout. Alors celui-là, je l'ai utilisé par-dessus un noir. Je ne sais plus pour quel make-up. Et oh my god, c'était trop beau. Donc là, c'est un gris violacé métallique comme ça. En topper, il est canon. On a un autre, c'est le I'm Vulgar. C'est encore un métallique. Celui-là aussi, il existe en grand. Bon, je vais les mettre en dessous hein, parce que j'ai plus de place. Vous voyez, il est un peu. Ils sont un peu moins opaques. J'ai l'impression qu'ils ont changé la formule des Jeffree Star. Très beau. On a le Virginity. Celui-là, je n'ai pas encore testé. C'est très clair. Hein. Ça, c'est un coup à vous avoir l'air malade. Hein. Et le Royal Armor. Armor, hein, c'est bien ça? Ouais. Donc là, il est carrément pailleté celui-là. Il est sublime. J'avais pas fait de swatch, encore rien. Il est vraiment très beau. Donc voilà pour les mini de Jeffree Star. On va pouvoir passer au full size. Mon bras, là, il en peut plus. Alors, en full size, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En sachant que j'en ai paumé un et que j'ai terminé le Christmas Cookie. Et l'autre, pas moyen de le retrouver. Donc, celui que j'ai perdu, il faisait partie de cette collection-là, de mariage-là. Là, il me reste le Holy Matrimony, le Tax Break, et il me manque le... le seau innocente que j'avais racheté à Amy, pas moyen de le retrouver. J'étais persuadée qu'il était dans la boîte à gants de la voiture. Il n'y est pas. Il n'est pas dans mes poches. Il n'est pas dans mes sacs. Donc je me demande si je ne l'ai pas perdu quand on a été au restaurant la dernière fois. Peut-être dans la voiture de mon beau-frère. Il faudra que je lui demande de regarder. Donc on a le Tax Break qui est là, un marron. Et il est divin. Et donc le Holy Matrimony qui fait partie de mes préférés depuis que je l'ai. Trop beau. L'autre, il était un peu dans ces teintes-là, mais en plus clair et plus rosé. Je vais oublier. Alors j'en ai un de cette collection-là. Les autres, c'est la collection permanente. C'est le Tangerine Queen, on sait plus, oh, c'est pas lire la teinte là-dessus, tu vois. Mais c'est le Tangerine Queen, je connais la teinte, et c'est un orangé, et pareil, je l'adore, il est super beau, celui-là pour le printemps-été, il est canon, même si je l'aimais toute l'année, moi. Alors, on va passer dans la collection permanente avec le Plastic Surgery. Donc j'en ai beaucoup parce que je les achète souvent quand ils sont en solde ou au Black Friday ou des choses comme ça. Tellement je les adore et que si je peux tous les avoir, enfin tous ceux qui me plaisent du moins, je les prendrai. Ah non, il me reste encore un comme ça, le Santa Baby. Mon préf. Ah ouais, un de mes préfs, mais mon préf quoi. Il est divin. Magnifique. Alors, on a le Libra Line. Oui, c'est il y a des teintes qui se ressemblent fortement, hein, mais on s'en fout. C'est ma collectionnite. Celui-ci, je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé, mais je l'adore. On a le Pumpkin Spice. Ouais. Le Pumpkin Pie. Oh là 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 là, celui-là. Un de mes préfs. Ça faisait très longtemps que je lorgnais dessus.
Donc là, on est vraiment sur un citrouille avec des micro-paillettes à l'intérieur, donc qui lui donne un tout petit effet métallique. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Je sais pas si on les voit comme ça, mais divin. Le Allegedly, très dur à dire celui-là. Donc ça, je les avais eu à 50% sur Maki Beauty, je crois. Parce que c'est assez rare, hein, c'est en solde. Ici, on a le Posh Spice. C'est un des premiers que j'avais acheté avec le Christmas Cookie et deux autres que j'essaie de terminer. Donc là, on est sur un marron beige. Et pareil, hein, franchement, il est super beau sur les lèvres. Super. De toute façon, je les aime tous. Alors, on a le Dominatrix. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et je vais le swatcher juste en dessous de celui-ci. Parce que je me demande si c'est pas quasi le même. Ça doit être quasi le même. Hein, mais non, il est un peu plus foncé. Et un peu plus chaud aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Vous verrez peut-être un peu plus près, mieux de plus près après. Je vais y arriver. On a le Cavity. Donc là, c'est un rose. Rose rose, quoi. Rose Barbie à souhait. Le Dirty Money. Donc c'est celui-là que je vous disais que je ne l'ai pas gardé en petit puisque je l'avais eu. Je l'avais en gros. Et je l'adore. Le Androgyny, un de mes préfs. Cadeau de Manon, celui-là, je crois, de mémoire. Je ne sais plus, elle m'a offert tellement de choses. On a le Deceased, donc ça c'est un. Les deux derniers, là, c'est ceux que j'essaye de terminer parce qu'ils sont très vieux. Je les ai achetés en même temps que le Christmas Cookie que j'ai déjà terminé et que le Posh Spice juste ici. Donc ils sont assez vieux. Hein. Et le Scorpio, c'est pour ça que je ne voulais pas swatcher dans le mini parce que je ne l'ai pas ouvert vu que celui-ci est quasi terminé. Hein. Je suis vraiment au bout du bout là. Et c'est pareil, un de mes préfs aussi. Hein. Et donc voilà pour les Jeffree Star en grand format. Je les aime trop. Alors, préf, je vais vous montrer mes préfs. On fait un top 5. Ça va être dur. Ça va être très dur. Top 5, top 5, top 5. Top 5, allez, 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 encore un. Mais il faut que je fasse un choix. Alors, je dirais le Scorpio, le Holy Matrimony, le Santa Baby, le Androgyny et le Pumpkin Pie. Voilà. Sur ceux que je possède en grand format, c'est mes 5 préférés. Donc voilà ce qui conclut la vidéo. Alors attendez, je range. J'ai pas tout rangé comme il faut. Toi, tu viens là. Oui, parce qu'il y a un ordre pour ranger mes rouges à lèvres. Excusez-moi. Ma mienne détoque. Et elle les assume. Donc voilà pour les swatchs de mes rouges à lèvres Focalure. Huda Beauty, Melted de Too Faced et Jeffree Star. Les prochains, ça sera toutes marques confondues. Hein. Il y a du NYX, Lancôme, Revolution, Kylie, She Glam, Colourpop, Joli Beauty, Cavity. Voilà, on fera tout ça dans la prochaine vidéo qui ne saurait trop tarder pour vous puisque je les enchaîne hein, pour vous les placer en bonus. Et voilà, donc dites-moi si vous aimez ces marques-là, si vous les avez déjà testées, si à vos donnez-moi vos préférés par marque que vous avez testées d'ailleurs.
Et voilà, donc on se retrouve de toute façon demain pour une autre vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous!